Le nombre de cas de rougeole a légèrement augmenté depuis que la santé publique a lancé un appel à la vaccination lundi. 12 cas maintenant confirmés, dont 9 à Montréal, 2 à Laval et un pour la Mauricie et Centre du Québec. Moi, je vous prédis que la rougeole va rester une préoccupation euh, pendant de très nombreuses semaines. C'est le cas en Europe. Avec la semaine de relâche qui tire à sa fin, les directions d'écoles à Montréal se préparent en vue d'une éventuelle campagne de vaccination. Chaque Sius va déployer son calendrier de vaccination, puis euh, les écoles vont s'adapter en conséquence. Alors, on doit commencer par là où euh, nos, nos préoccupations sont les plus grandes. Ce sont les écoles qui ont des taux de vaccination plus faibles que d'autres. On a une capacité de savoir. Quels sont les enfants qui n'ont pas été vaccinés? Des parents d'enfants qui fréquentent des écoles de la CSSDM ont d'ailleurs déjà été avisés de dates prévues pour recevoir le vaccin. Donc on peut imaginer que dans une école où il y a une couverture vaccinale sous-optimale, euh, s'il y a un élève dans une classe, euh, puis il y en a plusieurs qui ne sont pas vaccinés dans la même classe, ils vont l'attraper, c'est sûr. Les élèves ont déjà manqué 24 jours d'école. De, de, ça va prendre des, du temps, là, la vaccination, mais c'est un mal nécessaire. Ce qu'on voit actuellement, c'est la pointe de l'iceberg. Combien gros est l'iceberg? Quelles ressources ça va nécessiter? Les pharmaciens se disent prêts à prendre part à l'effort de vaccination si le besoin se fait sentir. Évidemment, il faut avoir accès à ces doses-là. Donc, il faut travailler cet approvisionnement-là qui n'est pas habituellement Disponible en pharmacie. Ça, c'est le, le premier enjeu. Puis après, cerner la population à qui on va pouvoir l'offrir en pharmacie. Et il y a toujours ces lieux d'exposition qui sont diffusés sur le site Internet de Santé publique Montréal. On parle désormais d'une vingtaine de milieux où, si vous avez fréquenté ces endroits à une date et une heure précise, vous pourriez avoir été exposé à un cas de rougeole. Elisabeth Laplante, TVA Nouvelle, Montréal.